Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai attendu pour faire cette vidéo car je voulais d'abord m'habituer à ce nouveau Windows 11 et j'attendais surtout d'avoir les patchs de correction avant de balancer des informations telles que Windows 11 bride les processeurs AMD, oh mon dieu ! Donc maintenant que j'utilise depuis sa sortie, je vous donne mon avis. Mais avant, il va falloir que je vous parle de mon partenaire qui sponsorise cette vidéo, CDKiDeals. Alors une fois que vous avez tapé dans la barre de recherche de votre navigateur préféré CDKiDeals, vous allez tomber sur la plateforme officielle vendant des clés Microsoft. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir des jeux, y compris des clés Steam, des clés Origin et des clés Uplay. Et si vous avez des consoles, il n'y a aucun souci. Vous descendez en bas et vous avez des cartes prépayées pour la PSN et pour la Xbox. Mais aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les clés Windows. Donc vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Windows, vous arrivez à cet onglet ici et vous voyez, on a tous les Windows disponibles avec les packs Office. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 11. Vous cliquez dessus, on arrive à cette page-là et vous voyez, on est bien à 24,39€ pour un Windows 11 Pro. Vous faites acheter, hop, on arrive ici et là, vous allez taper mon code PC25 et vous allez l'appliquer. Une fois que vous avez appliqué mon code, on a la réduction immédiate de 35%, les amis. Donc, de 24,39€, on va passer à 15,85€ et une remise immédiate de 8,54€. Il n'y a plus qu'à soumettre la commande. Moi, j'utilise toujours le PayPal. 15,85€, payé. Il ne reste plus qu'à l'activer sur votre ordinateur. Alors avant de migrer sur Windows 11, il va falloir regarder si votre matériel est compatible. Pour ma part, j'ai dû activer le TMP 2.0 sur ma carte mère B550 Taichi. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait car les BIOS des cartes mères sont toutes différentes selon les marques. Sinon, vous pouvez regarder sur le site de la marque de votre carte mère si vous avez une mise à jour BIOS. Une fois que vous avez installé Windows 11, vous allez être surpris du design. Il est beaucoup plus moderne, vraiment agréable à regarder et les fenêtres ont des bouts arrondis. On a toutes les fonctions qui sont au milieu de l'écran, qui pourra être embêtant pour certaines personnes, mais on s'y fait vite. Maintenant, on pourra les remettre à gauche avec une petite manip dans la section configuration. Dans les nouveautés proposées de ce Windows 11, on a le droit au retour des widgets, qui pourra plaire à certains d'entre nous. Personnellement, je m'en sers jamais, mais il en faut pour tous les goûts. Côté boulot, il y aura une meilleure intégration de Microsoft 360 et de Teams. La recherche des programmes est beaucoup plus rapide que sur Windows 10. On va pouvoir lancer des applications Android directement sur notre PC et vous pourrez ainsi jouer à vos jeux préférés sur votre écran d'ordi. Vous pourrez modifier vos bureaux de façon personnalisée pour avoir un bureau de travail, un bureau de jeu, etc. Vous allez pouvoir jouer aussi à tout le catalogue existant de Xbox Game avec un abonnement en supplément, bien sûr. Donc, profitez des exclus Xbox. La fonction HDR est activée d'office pour les écrans compatibles. Ça permet d'avoir des images beaucoup plus profondes et des couleurs améliorées. Le Direct Storage va permettre au SSD de communiquer beaucoup plus vite avec la carte graphique de façon que les temps de chargement des jeux soient réduits. Alors maintenant, qui ose me dire que Windows 11 n'est pas fait pour les jeux vidéo? Oui, je sais. Vous allez me dire, il y a eu des specs à la sortie de Windows 11 disant que ça bridait les processeurs AMD et qu'Intel était beaucoup plus puissant. Et vous avez raison, mais maintenant que les patchs ont été diffusés, on peut voir que le nouveau i9-12900K, qui consomme énormément de watts au passage, est aussi puissant qu'un R9-5950X. Mais je présume qu'Intel ne savait pas que les processeurs AMD n'étaient pas optimisés à ce moment-là par Microsoft, et ils ont dû s'en mordre les doigts. En tout cas, maintenant que j'ai installé Windows 11 sur mes ordi, je ne ferai plus machine en arrière. La dernière fois que j'avais adoré un Windows, c'était la version numéro 7. Oui, ça ne me rajeunit pas. Je vous laisse en description le lien des tests effectués par Hardware Nbox sur la comparaison en jeu vidéo de Windows 10 et de Windows 11. Et vous pourrez vous faire une idée. En tout cas, que vous choisissez Windows 11 ou Windows 10,
Le principal, c'est que vous vous amusiez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les potes. Ciao, ciao.